Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment faire un baume de massage pour bébé, donc à base de lavande et d'huile essentielle de bergamote qui va être idéale pour faire le massage du ventre, notamment du bébé qui a des coliques, et puis pour faire des massages bébé de manière générale. Donc, pour votre baume de massage bébé, il vous faudra côté ustensile une balance de précision, un bol et un petit fouet, ainsi que de l'alcool à 70 à 90 degrés ou 90 degrés pour désinfecter votre plan de travail et vos ustensiles, de l'huile d'amande, du beurre de karité et des huiles essentielles de lavande et de bergamote. Donc vous avez besoin dans un premier temps de 30 g de beurre de karité ou beurre de mangue, vous pouvez également le remplacer par du beurre de mangue, auquel vous ajoutez 10 ml d'huile d'amande. Vous allez mettre ça au bain-marie pour que tout fonde bien. Donc une fois que le mélange est bien fondu, vous allez pouvoir le verser dans votre flacon. Et de là, vous rajouterez 3 gouttes d'huile essentielle de lavande et 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote. Donc la lavande, elle va avoir pour effet de calmer les spasmes du bébé et les douleurs éventuellement. C'est un anti-inflammatoire. Et la bergamote, elle est vraiment très très bien pour tout ce qui est colique, douleurs au niveau de l'estomac de bébé, qui va également beaucoup aider au niveau de la digestion. Donc 3 de bergamote et 3 de lavande. Vous allez pouvoir maintenant mélanger. Et laisser le mélange refroidir. Et voilà votre baume terminé. Donc vous allez pouvoir donc masser le ventre de bébé notamment, ou bien n'importe quelle partie de son corps, spécifiquement l'abdomen et le ventre, puisque l'huile essentielle de bergamote va être idéale pour la digestion de bébé et pour tout ce qui est colique. Mais vous allez pouvoir masser tout son corps avec cette huile-là qui va être très nourrissante et hydratante. Et voilà, à vous de jouer!